Et yo les gens, c'est qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo Kniff It. C'est un jeu avec une cible qui tourne et faut placer tous ses couteaux. Et le but c'est d'aller plus loin. Si vous y jouez, mettez-moi votre meilleur score dans les commentaires. Moi c'est 253 stage 19. Bref, je suis un petit peu en alcool. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Hein. Ah oui, ça fait depuis 5 minutes que j'ai pas joué, c'est très long. Ta cube était bizarre. Oh, une golden apple. Boss fight. Oh non. Il est trop fort lui. J'ai déjà battu, mais il faut. Ouais, une petite vidéo. Ok, il y a un petit bug. Donc on va reprendre. Donc voilà, score de 100. Oh. Donc moi j'ai un magnifique couteau, on l'obtient en arrivant au stade 21 en Munster. Une petite pomme. Bon, attention, j'ai double XP. Oh. Toc. Stage 9, il a toujours été compliqué. Boss sushi. Le boss est plus facile. Moi, ça fait un peu de musique. Ah non, pas lui. J'ai déjà battu, mais il est chiant. Du moins, bah. Bon, allez, tu dégages. Merci pour l'anticiper au passage. La vidéo reprend et putain, il est chiant, lui. What, c'est qui lui? Ok. Il y a une sorte de CD, on va re. Nouveau record. En fait, j'ai juste fait le même score la dernière fois, mais sauf que j'ai fait stage 1. Ah si, j'ai eu un boss tomate, si j'ai eu un boss lemon, là. On a fait un record. Ah oui, je suis douée par ce jeu. La petite dent. Ah oui, quand on bat un boss, vous voyez, on a de l'XP. Avec de l'XP, on a des pouvoirs. Attendez, voilà.
Moi j'ai 9% de ça, 15% de ça, 20%, 6, 15. Et lorsqu'on a atteint le niveau 7, on a tous les pouvoirs et après on les améliore. Et à l'infini, je crois. Je crois. Je pense pas. Un petit boss tomato. Et vous demandez aussi à quoi servent les pommes. À avoir des nouvelles épées. Ou alors à s'améliorer, mais il faut être au niveau 7 si vous voulez pouvoir l'améliorer. Désolé, j'ai oublié de relancer la vidéo. J'ai perdu. Parce que là, ça bug un petit peu. Putain. Et aussi, il y a les challenges. Pour avoir des nouvelles épées, comme celle que j'ai, c'est une épée challenge. Elle a la classe. Donc là on a les épées de challenge. Là on est à les épées en battant des boss, là aussi. Là en regardant des vidéos. Là ça coûte 1000 pommes, là ça coûte 500 pommes et là ça coûte 250 pommes. Bref. On obtient assez vite les épées à 250 pommes. Et après toutes les 8 heures vous aurez aux alentours de 100 pommes. 20 pommes. Entre 100 et 150 pommes. Et vous aurez un bonus de pommes. Comme moi. Moi j'ai un bonus de 20%. Bon, on va pas regarder de vidéo. On va arrêter à 10 minutes. C'était une petite vidéo. Pour expliquer le jeu. Hop là. On a fait un record en cette vidéo. Faudra que je fasse plus de vidéos. Faire plus de records. Merde. Petite vidéo. Ça vous donne ça. Après, ça devient compliqué. Au début, le premier boss rare, c'est la canne. Soudakan, si vous voulez. Il est chaud. Après en légendaire, vous aurez Apple Pie. Il est fort. Enfin, pour moi, il n'est pas fort. J'ai commencé il n'y a pas longtemps. Une semaine pile. Enfin, 8 jours. Je suis déjà arrivée à ce stade du jeu. Donnez-moi votre meilleur record dans les commentaires. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont plus forts que moi. Donc on est arrivé au boss. On a perdu une petite preuve. En vrai, il est simple celui-là. Il me fait un plaisir de lui mettre de la raclée. Un couteau. Sur la pomme. Oui, on m'a regardé une note. Relis. Putain, il est chiant. Je viens de faire un...
Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un commentaire si vous voulez que j'en fasse d'autres.